Bonsoir et accueilli, ça veut dire bonsoir et bienvenue en créole dans ce tout nouveau numéro de votre émission musicale Tout est calé. Vous êtes sur la première et c'est avec joie que je vous retrouve ce week-end scotché devant vos postes téléviseurs. Et bien entendu, nous avons démarré cette émission avec du créole pour célébrer ce grand homme de la musique antillaise, Mika Ben, qui est tombé sur scène, qui a attiré sa révérence. Ce sera avec Jason dans cette émission. Et également, il est notre invité, l'une des plus belles voix de la musique togolaise gospel. Collins Newman est également notre invité et bien entendu, le gagnant du trophée FEF majeur, Eros est également dans cette émission pour recevoir, bien entendu, son trophée. Bonsoir, madame, messieurs, et bienvenue dans Tout est calé. Bonsoir, Saxo, et bienvenue à l'émission. Bonsoir, Kevin. J'espère que ça va. Ça va super bien. Ok, nous sommes toujours dans le monde de la consommation locale. Oui. Et bon, on dit nord, sud, est, ouest. Oui. Comment on dit est en évé? En mina, en fait. Est. Est. Oui. En mina. Oui. Ça, c'est quelque chose de. Est, la question va de faire bonjour, oui, est. Est. Amina. Non. C'est S. Non, c'est pas S. Et WZP, là, c'est où? C'est ça, non? On dit, c'est pas WZP, on dit WJP. WJP. Voilà, ah, c'est okay. Pas WZP. WZP, là, c'est le groupe. Voilà, le voilà. Groupe, voilà, ah, d'accord. Donc, c'est ça, non? WJP, qui est WJNALEA. Voilà, et t'as WJP. Ok, est. D'accord. Donc, après, donc, tu me vois, je vais te donner un petit cadeau. Un petit, c'est quel cadeau? 10 000. Bon, voilà, à la fin, on va voir. Mesdames et messieurs, voilà, tout est calé, commence maintenant. Bon, ça. Allez, Jason Sartre, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien chez vous. Un stand de musique, de culture, et aujourd'hui, justement, on va parler de tout ce qui est attrait, voilà, à la musique togolaise et à la musique voilà, mondiale. Merci. Collins Newman, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin. Ça va? Ça va bien. C'est la grande forme? Ouais, ça va. Ma femme. Ouais, ma femme. Lui n'est jamais froid. Ah, très chaud. Et le gagnant du trophée FEF majeur du mois de septembre, Eros, bonsoir et bienvenue à l'émission. Oui, bonsoir monsieur Kevin. Ça va? Ça va très bien. C'est la grande forme? Très bien. Ouais. Ah, mais, ah non, lui, je me demande, local. Je me demande si ses parents vendent du pain. Parce que tout le temps, il est en panne. Le gars, lui-même, on dit, on était en soi de cause, on est fier. On était chez lui. Ouais, non, le gars, pas beaucoup. Ah, okay, non, non, okay. Et arrêtez ça, arrêtez de dire des choses comme ça. Non, parce que moi, depuis le matin, il me fatigue avec ça. J'ai envie d'enlever les habits. En tout cas, ça fait du bien, on démarre cette émission avec, bien entendu, cette page sombre de la musique mondiale, comme vient de le dire Jason, et c'est Mika Ben qui tire sa révérence, Jason. Eh bien justement, vous savez, la mort a encore frappé la culture et la musique voilà, haïtienne. Oui. Vous savez, c'est vraiment dommage de vivre sa passion à un moment de tomber sur le champ de bataille. Quand je dis champ de bataille, entre guillemets, c'est la scène, c'est là où la plupart du temps on vit notre passion. Lors d'un concert en honneur à la musique haïtienne, le musicien haïtien de son vrai nom, Michael Benjamin, a tiré sa révérence suite à une crise cardiaque sur scène à 41 ans. Oh. C'est une grande perte, une grosse perte pour la musique haïtienne et surtout mondiale. Je ne sais pas si vous le connaissez, il y a une de ses chansons que moi j'apprécie beaucoup. Ouais. On va regarder juste une vidéo. Oui. Et je le connais très bien, là, on a même fréquenté. Et justement, on présente nos condoléances à la famille de l'artiste et justement à toute la communauté haïtienne. Ce n'est pas facile de perdre un talent comme lui parce que c'est un monsieur qui touchait vraiment au piano, à la basse, il touchait à tout. Et on le sent justement dans ses prestations, dans toutes ses mélodies qu'il sort. Je ne sais pas, mais
entre-temps, nous, on avait vraiment fait des avances à des filles sur ces chansons-là. Ouais. Ça nous rappelle, bien quand on était au lycée. Voilà. Oui, justement. Donc, on ne peut pas faire une fête sans cette chanson. Exactement. Moi, quand j'étais jeune, on ne comprenait pas le truc. Mais... Oui, on ne comprenait pas, mais quand même, on était vraiment fan de ces chansons. Tu veux dire, en paix. Je veux dire, Antiquité, moi. Est-ce que tu as connu l'artiste? Tu as connu la chanson? Oui, je connais la chanson. Oui. Et vraiment, c'est une star, le gars-là. Ah oui. Il a fait beaucoup son temps. Hein. Ouais. Mais quand même, c'est vraiment dommage qu'on perde ce monsieur à 41 ans. Vous savez, c'est pas facile. Mais justement, nos condoléances à la communauté haïtienne et justement à la culture haïtienne. Voilà. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toi, Jason. Colis, on va essayer de te découvrir maintenant. Dans cette émission, tout est calé. Kanye Agbote Ekwe Colis, tu es né un 24 mars, et fils aîné de famille. Tu fais vite la rencontre de la musique dès ton plus jeune âge. En 2006, tu donnes ta vie à Jésus-Christ lors d'une croisade d'évangélisation organisée par l'apôtre William Tété. Après ton baptême, tu deviens leader de louange et adoration avec une voix unique et puissante. Ton premier contact avec une grande foule, ce serait dans la croisade du chantre évangéliste John Starr. Colis Newman, le Spirit Boy est enfin disposé à être utilisé comme un instrument de travail pour son créateur. Ton premier single, Saint-Esprit, sort en 2015 et te propulse au-devant de la scène musicale gospel. Et tu y ajoutes ta touche moderne. Digne, Lumière, Mafao, Wonderful God, Amenui, Akpelo, Peda, Vossa sont les titres de tes quelques chansons. Ton visage reste très connu du public africain. Colis Newman, le Spirit Boy, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, Kevin. Là. En tout cas, c'est le nom qui me retient, Spirit Boy. Oui. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Spirit Boy, c'est le chouchou de l'esprit. Voilà. Donc l'esprit, c'est un chouchou, quoi? Oui, c'est moi. Ouais. En tout cas. Mais quand même, je sais que, bon, moi aussi, je suis le chouchou de l'esprit. Ce n'est pas une comparaison, mais bon, on ne se dit pas. Moi, je suis l'apoutchou. Apoutchou de l'esprit, c'est. Allez, Colis, parle-nous du Spirit Night. C'est quoi d'abord Spirit Night? Le Spirit Night, ça fait déjà au moins 5 ans. Mm-hmm. 5 ans maintenant que, vous savez, lorsque tu... la Bible dit... Et le temps vient que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Mm-hmm. Donc, Spirit Night, j'ai commencé ça dans ma chambre, mm-hmm. où je passais des temps d'adoration seul avec le Seigneur. Oui. Et après, j'ai vu que non, je dois amener cette chose-là devant Facebook, ou bien sur Facebook, ou bien sur les médias. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé par jouer le piano moi-même en le faisant en direct. Mm-hmm. Et j'ai vu que les gens commençaient pas à aimer, les gens commençaient pas à donner des témoignages. Mm-hmm. Et après, bon, j'ai ajouté mon groupe Spirit Crew. Mm-hmm. Et maintenant, ça prend de l'ampleur. Et Spirit Night, c'est la nuit de l'Esprit Saint. Mm-hmm. Des moments d'adoration, jusque d'adoration et de louange, pour adorer Dieu, adorer Dieu. Voilà. Ah, okay. Mm-hmm. Allez, comment as-tu reçu ton appel? Waouh! Une question vraiment... souvent, quand on me pose la question comme ça, je me rappelle du passé. Oui. Et j'étais d'une famille animiste. Oui, voilà. Il n'y avait pas de chrétiens. Ma maman, mon papa, ma grand-mère. Normalement, il y avait Tadie, quoi, ma missie. Ouais. Ouais. Donc, il n'y avait rien qui pouvait me donner la force d'être chrétien. Oui, oui. Mais comme Dieu, il a voulu autrement, Dieu a voulu que moi, je prenne un autre chemin. Mmh. Et c'est ça, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comme la biographie vient de le dire. J'étais à Gbavi, chez mon papa. Mmh. Et le jour-là, il faisait la croix d'évangélisation. Mmh. Et le ministre de Dieu, l'homme de Dieu, apôtre William Tété. Mmh. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Voilà. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a mis en moi, j'ai pu le sortir. Voilà. C'est ça, ma femme. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui de la religion de ta famille, à partir de toi? Oui, aujourd'hui, mon papa me regarde jusqu'à... Il dit, tu es un pasteur. Mm-hmm. Un jour, j'ai attrapé mon papa. Mm. Oui. J'ai attrapé, c'est que... Je suis pris. Ah, voilà. Attrapé, je suis pris. OK.
il est en train de lire le Nouveau Testament. Mm-hmm. Ok. Et lorsque je suis rentré au salon, il a caché ça. Il a caché ça. Ça veut dire que je suis arrivé à un niveau où j'influence la religion de ma famille. Oui, Et chaque fois, il y a mon oncle qui a donné sa vie à Jésus. Et bon, ça va venir. Voilà. Papa, il va. On va regarder une de tes vidéos, le clip Akmelo, et on revient. Merci beaucoup. Oui. Belle vidéo à Bello. Colis, dis-nous, avant 2006, qui était Colis Newman? Non, on pouvait même pas mettre Newman. Non, on pouvait même pas mettre Newman. Voilà. Okay. Avant 2006, qui était Colis? Old man. J'étais le petit Ekoué. Mm-hmm. Le petit Ekoué. Oui. Animiste, enfant. Mm-hmm. C'est-à-dire que Benawi. C'est Vodou Soubo Soubo. Ok. On l'a fait pas bago là, l'enfant. Parce que j'étais vraiment accroché à ma grand-mère. À Soubo. Donc, à mon ami, c'était le petit Colis, le petit Colis de chouchou de sa grand-mère. Oui, voilà. Donc, nous, les mi-pois, nous, les mi-pois. Même si, Ngamo, 2006, c'est ma ou même. Voilà. Donc, avant 2006, j'avais vécu dans toutes ces choses-là. Mm. Mais gloire à Dieu. Mm-hmm. Et après 2006, ce qu'il a fait aujourd'hui. Avant 2006, j'avais vécu des moments difficiles. Il y avait des choses qui se passaient entre mon papa et ma maman. Okay. C'était pas tout ça. Okay. Des bagarres. C'était pas tout ça. La transition entre cette culture-là et le Seigneur Jésus-Christ. Comment a été justement cette transition? Parce que je suis convaincu que ça n'a pas été facile. Oui. Dis-nous quelques exemples de cette transition que tu as eu à faire. Ça n'a pas été facile. Et on l'a sauté dans le caca. Je suis pasteur, mais nous,
ça devient aussi une fierté. Oui, voilà, oui. On va faire un petit jeu. Quand on donne certains noms, mm-hmm. tu dis en une phrase ce qui te lie à ces noms-là. Et d'accord. Oui. On démarre avec William Tété. William Tété, oui. c'est celui qui a pris. C'est que Am Elialonam Blomsonama. Ok. Voilà. C'est comme que, un papa spirituel. C'est comme papa spirituel, celui qui m'a amené à confesser. T'as montré le chemin de oui, Jésus-Christ. Oui. Et Noélie Elikem. Hey, Noélie Elikem, quoi dire de plus, c'est ma marraine, c'est ma grande sœur. Ça fait déjà un moment, j'ai toujours voulu rencontrer Elikem. Et par la grâce de Dieu, à Worship Time en 2018, elle était là. Et par la grâce de Dieu, comme d'habitude, elle a pris mon numéro et puis elle m'a écrit. Et c'était une joie de rencontrer quelqu'un que tu voulais voir depuis des années. Voilà. Et Maouto Tété. Maouto Tété, c'est mon frère, mon ami. Vous savez, lorsque tu as certaines personnes comme amis, ça te pousse. Certaines personnes comme amis, ça te pousse à travailler plus. Oui, justement. Parce que imagine la fois passée, moi j'étais à faire craquer le palais de congrès. Ce sont des choses qui te forment, qui t'amènent à faire mieux. Voilà. Donc moi j'étais c'est un frère, c'est un ministre de Dieu que je respecte beaucoup et voilà. Voilà. Et Elgod. Et bless. Elgod est un homme qui a stratégiquement amené le gospel à un autre niveau. Oui. Vous savez, le gospel, les gens ont juste vu que le gospel, c'est juste porter des pagnes, rester quelque part entre les fleurs, faire un clip de vidéo en levant les mains, les descendant. Non. Toi-même, avec ton look, il a porté des jeans déchirés. J'aime beaucoup. Même ça définit. Oui, j'aime beaucoup Elgod parce que Elgod est un influenceur. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez voir influenceur de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il a percé. Il est même meilleur artiste gospel de l'année. Oui. Et c'est vraiment un gars qui booste le gospel togolais. J'aime beaucoup Elgo. De par son style également. De par son style. Et enfin, le dernier nom, Chanoben. Maman Chanoben. Maman Chanoben, c'est une maman de la jeunesse. Elle était l'ex-président de l'UCET, de l'Union des Centres. Du Togo. Oui. C'est une maman qui nous appelle, québécoise, québécoise présidente. Et on a mis quoi? Qu'on lit, ça va, le ministère. C'est que, Mounia Mereke, on a mis, il ouvre, il s'ouvre, elle s'ouvre plutôt à la génération qui vient. Donc, vraiment, à salutement. Merci. Nous allons, si tu permets, regarder un clip. Mais cette chanson-là, elle a fait le tour des réseaux. Oui. Ma fao, ma fao. En fait, écoute, moi-même là, à un moment, dans des situations, tout le monde va dire les choses. Oh non. On va regarder le clip. Voilà. Seigneur. En tout cas, une très belle vidéo et une très belle chanson également. Et comment elle est née cette inspiration-là, Mafao? Oui, Mafao, c'est une inspiration vraiment. Ça, déjà, c'est dans l'année 2014, 2015, 2016. Voilà, dans les années comme ça. Ça fait déjà 4 ans ou bien 5 ans que Mafao est sorti. C'était un featuring avec Prince Ericano. Oui. Dans le temps. Et
Kimi de Hanto Gamea, Metemina Gamleo. Donc la chanson est ravée. Justement. Parce qu'on n'avait pas les moyens pour booster. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Tu as des millions. Tu as accepté. Oh non, tu as dit. Tu as des millions. Oui, au moins aujourd'hui, on a quelques abonnés sur Facebook. Il va partager. Il va millions et amis. Ah, ok. Ça va venir en tout cas. Tu vois le monsieur qui est assis à côté de toi. Oui. Chaque mois, on fait une rubrique FEF majeur où on met 5 vidéos en compétition. Wow. Et ce monsieur est le regagnant du trophée FEF majeur. Voilà. Mois de septembre. Voilà. Ouais, du mois de septembre, le mois passé, avec le titre Consommation locale. Une chanson qui est la bienvenue d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, parce que nous sommes dans le mois de la consommation locale. Qui parle de nous, comme je suis de nous, notre réalité c'est bon, et tout. Saxo, la transition. On a fait le déplacement. Ouais, ouais. Tu vas permettre aux téléspectateurs de savoir ce qu'on est allé faire chez Eros. Eros. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la rubrique FEF majeur parce que c'est une rubrique d'ailleurs qui permet aux téléspectateurs d'avoir un peu l'idée, voilà, de plus connaître la diva, d'avoir un peu l'idée des nouvelles sorties parce que nous prenons les morceaux nouvellement sortis pour mettre en compétition. Et chaque semaine, on joue le morceau, finalement. Et les gens votent. Voilà, les gens votent et puis bon. Nombreux ont été ceux qui ont voté pour Eros. Incroyable. Nombreux. Les gens ont voté sur le numéro de l'émission jusqu'à ça déborder. Et il y en a même voté qui ont voté, c'est nous. En e-box. C'était clair et net. C'est clair et net. C'est Eros qui est le regagnant de la BFF majeure de ce mois, comme nous sommes en consommation locale aussi. Et donc, on a effectué le déplacement chez lui. On a fait pratiquement une journée avec lui. On était chez lui à la demeure. C'est pas la porte à côté, c'était à Agbelevé. On était chez lui, il nous a accueillis et tout. Il y a l'élément, si la régie le permet, nous allons tous vivre ce moment avec l'artiste. Abougane Tiago, made in Togo. Jordan B. Pro. Noale, Vavon Kozo, Brorobia, Ekoni. Bonjour, une manière pour moi de vous dire bonjour ce matin parce que nous sommes dans le monde de la consommation locale et comme ma tenue le traduit déjà, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs dans l'émission précédente à voir Nalo qui a eu la lourde tâche de départager ces deux artistes qui étaient en phase finale de la rubrique FEF majeur du mois dernier. Il s'agissait de Manu Keresi et de Eros. Alors, le lauréat c'est Eros. Aujourd'hui, on a effectué le déplacement pour venir jusqu'à la demeure de l'artiste. Ici, c'est Agbelevé et c'est ici que nous allons passer une journée avec l'artiste. C'est dans 3, 2, 1, 0. C'est comment ? Ça va. J'espère que ça va. Ça va. Ok. Aujourd'hui, et comme prévu, comme vous savez très bien, chaque lauréat de notre rubrique FEF majeur, nous passons une journée avec l'artiste. C'est la raison pour laquelle on a effectué le déplacement pour venir chez toi aujourd'hui à Agbelevé. Et je suis arrivé, le cadre, voilà. Toi-même, on dirait un cadre royal avec la patame et tout. Vraiment, c'est la consommation locale, c'est toi. Bon, dis-nous en même temps, quelle a été ta motivation pour faire un son de ce genre ? Merci beaucoup. Et la chanson Consommation locale, l'idée m'est arrivée quand on a eu des annonces et l'État a commencé par parler de ça. Donc il faudra que nous aussi, en tant que musiciens, nous pratiquons ça et nous allons véhiculer ça dans nos musiques.
Comme ça, les gens aussi, en écoutant la musique, la chanson, auront une idée sur ce que veut dire la consommation locale. C'est l'idée qui nous a poussé à émettre le son consommation locale. Ok, merci beaucoup pour avoir expliqué le truc en long et en large. Mais moi, j'ai constaté que toi-même, à la base, tu aimes la consommation locale. Parce que on ne peut pas dire que c'est ce mois seulement, mais chaque temps qu'on t'invite dans notre émission, c'est-à-dire ton look et tout, même le décor et tout, ça prouve que toi-même, tu as un peu un lien avec la consommation locale. C'est-à-dire que tu pourrais être en ville, faire les choses modernes et tout, mais ça sent quelque chose de local chez toi. Toi-même, à la base, est-ce que tu aimes ce qui est local? Merci beaucoup, monsieur Sasson. J'aime beaucoup, comme dirais-je, la tradition, premièrement. Et celui qui parle de tradition veut parler de sa culture. Donc, premièrement, chez nous, au Togo, en tant qu'Africains, il faut d'abord aimer ce qu'on a. Il faut aimer d'abord ce que nous disposons chez nous. C'est pourquoi moi-même d'ailleurs j'aime d'abord l'accoutrement africain. J'aime m'habiller comme les Africains. Avec les perles et tout. Premièrement. Donc, comme vous l'avez constaté, chez moi, depuis la maison, n'importe où je suis tout mieux traditionnel et local surtout. Quelle a été votre stratégie de com ou bien de mobilisation pour que les gens puissent voter autant de fois? Merci beaucoup, monsieur Sasson. Premièrement, je vous remercie. Je vais remercier beaucoup mon staff et mes fans. Vous savez, je ne dis pas que moi je fais mieux ou bien je fais plus que quelqu'un. Quand j'ai démarré ma carrière musicale, nous avons presque parcouru le Togo. Il faut qu'on se dise la vérité. Bien sûr qu'on n'est pas encore sur la page, mais nous faisons tous nos efforts, surtout les événements gratuits. Nous sommes les premiers à participer. Donc les gens nous connaissaient très très bien. Palimé, notre clip même sur la consommation locale, on avait fait ça au grand marché de Palimé. Donc le jour où on a lancé, la population de Palimé était informée déjà que il y a un truc qui est lancé. Akara, j'ai trois groupes de fans à Akara. Il y a Radio qu'on appelle Radio Tabala, Kara, qui travaille pour nous très sérieusement. Et Radio Kara même travaille beaucoup pour nous. Donc, des gens ont mobilisé beaucoup. Je suis allé même jusqu'à Bafilo. Quand on a lancé ces trucs, nous sommes allés même les réveiller encore une fois de voir qu'il y a cette compétition qui est lancée. Il faudra que c'est notre tour, c'est notre premier tour d'ailleurs. Il faut qu'on ramène ça pour qu'on sache que nous avons démarré quelque chose de très sérieux. Nous sommes allés même aller à Vaughan, il y a la radio. Ah, dans mon village. Ah bon, ok. Il y a la radio qui travaille là-bas. RBV. On travaille très bien avec eux. AFP. Nous avons tourné tout à RBV. Nous avons descendu même à Neko. Et donc, partout au Togo, quand on a lancé ça, on a passé partout et les fans ont répondu au rendez-vous, c'est tout. Donc, pour comprendre très bien, c'est une mobilisation de toute une nation, quoi. C'est-à-dire que tu as fait une tournée pour mobiliser les gens, parce que ça arrive maintenant, c'est maintenant, je comprends. Parce que depuis qu'on a lancé le truc, quelqu'un m'a informé, quelqu'un me dit, Joe, mon téléphone là, même à 01 à 2h du matin, les gens continuent toujours pas à voter. Et puis, c'est très clair, quoi. Hein, les gens viennent jusqu'à voter dans les inbox, vraiment, la motivation, elle a été vraiment grande, elle a été de taille. Je tiens vraiment à dire merci à ton staff parce qu'ils ont fait un boulot très remarquable. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous allons décerner un trophée. Mais pour te poser la question, est-ce que c'est votre toute première fois d'avoir un trophée dans la musique? Oui, si, c'est la première fois. Ah, ok, donc c'est votre toute première fois, quoi. Ah. Voilà, mesdames et messieurs, chers, voilà, c'est ça, c'est tout est calé, ça commence toujours très bien. Et nous, quand on donne un trophée, c'est parti, hein. Les All Music Awards, les Heroes, comme toi-même, tu es Heroes, voilà, tu vas recevoir Heroes d'un million. Et moi aussi, je sais que tu ne vas pas m'oublier parce que tu es un grand-père. Yes. Donc voilà, Heroes, oui. C'est un réel plaisir pour nous de passer un moment fun avec vous. Habituellement, on veut te demander, habituellement, tu passes tes journées comment? Quand tu te réveilles, tu fais quoi? Les jours ouvrables, les week-ends, tu gères comment tes journées? Merci beaucoup, monsieur Sasson. Comme vous le savez, premièrement, je n'étais pas artiste au départ, je suis instituteur, comme je viens de le dire.
de lundi à vendredi, je suis à l'école. Donc, à partir de 18h de vendredi, je fais les week-ends d'activité, souvent avec l'arrangeur. Donc, lui, on fait tout sur le portable, je lui donne tout ce qu'il faut. Voilà. Il me prépare les beats. Quand je viens, je me pose. Et il t'envoie, voilà, tu t'exerces dessus. Avant que je ne revienne pour qu'on mette les choses au clair. Voilà. Et le matin, quand je quitte à la maison, 5h30, je rentre, je prends dans mon bed d'habitude, je rentre à l'école. C'est parti pour midi. Je reviens le soir. Il y a des feuilles à corriger, autres on le fait. C'est continu. De quoi préparer. Et on prépare et puis ça continue. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on vous dit merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui, en tout cas, tous les téléspectateurs qui étaient à la maison à voter, à voter, à voter, à voter, à voter pour Eros. Et ce mois, c'est lui qui repart avec le trophée FF majeur. Vous connaissez le trophée FF majeur. Et quand ça débute, ça termine trop bon. Merci à tous ceux qui connaissaient Eros, voilà, à la base, tous ceux qui connaissaient Eros avant, et merci à tous ceux qui ne connaissaient pas Eros, mais de par le projet, par les transitions que nous jouons à la télé, les gens ont fini par comprendre que c'est un projet très très intéressant. On continue toujours par soutenir la musique togolaise, car Eros a été un exemple palpable pour prouver à toute la nation que c'est comme ça, tu n'as pas besoin de grandes choses, mais juste quand le projet est bon, les gens seront derrière toi, les artistes togolais sont appelés à faire un très bon projet. Merci beaucoup à toute la famille, merci à beaucoup à tous ceux qui ont voté. C'est la musique togolaise qui gagne, et comme je le dis souvent, si tu n'es pas africain, il faut juste être togolais. Merci, et voilà, à très prochainement. Merci. Voilà, donc Kevin, voilà, chers téléspectateurs, c'était, voilà. C'est avec honneur et voilà, joie, et au nom de toute l'équipe, voilà, on va te donner ce trophée. C'est le trophée FF majeur, c'est inscrit dessus déjà. Oui. Meilleur artiste septembre 2022, tout est calé. Et comme Saxo l'a dit, tu sais, quand nous on donne un trophée, c'est tout un esprit qui t'accompagne. Voilà. Et le premier trophée, on a fait l'expérience avec Chad, il est revenu avec des millions. Des millions, hein. Donc si on te donne le trophée, on espère bien que les ondes positives de cette émission vont t'accompagner. Voilà. Et tu vas aller loin, tu vas représenter cette musique également dans la sous-région. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on parle tout, mais on a tendance aussi à oublier notre tradition. Voilà. Mais quand toi, tu retournes au tréfonds de notre tradition pour nous sortir de très belles mélodies, bravo à toi et on va tous ensemble te descendre ce trophée. Ah oui, c'est contaminant. Ah oui, contaminant. Ah oui, félicitations. Voilà. Félicitations. Voilà. Félicitations. Voilà. Oui. Voilà. Ah ouais. Merci. On espère très bien. Voilà. Très prochainement, on aura Conny Suman aussi. Ouais. Ah oui, ma foi. Voilà. Tu es en possession enfin de ton trophée, ton fameux trophée face à la caméra. Un message à tous ces fans, tous ceux-là qui ont permis que tu aies ce trophée ce week-end. Merci beaucoup. Premièrement, permettez-moi de remercier premièrement la télévision togolaise et remercier aussi l'équipe, en commençant par vous-même, monsieur Kevin, monsieur Sassou, monsieur Diezon. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous mes fans. Depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Ouais. Surtout mes fans les plus durs de la CARA, je ne les oublie pas. Mmh. Et les techniciens des radios qui nous accompagnent, je ne peux pas les citer. Je les remercie tous. Frère Moïse, je ne peux pas l'oublier dans ce projet. Kofi Nyafiamo et mon arrangeur
Jordan B, Jordan de Pithiviers. Ouais. Je les remercie beaucoup. Ouais. Ok, merci. Tu restes toujours avec nous dans cette émission. Kevin, si tu permets, j'aimerais bien quand même placer un mot parce que pour moi qui ai suivi une partie des votes et surtout sur Internet et sur notre numéro, il faut reconnaître que c'est la première fois que j'ai vu des noms pas possibles voter pour cette chanson. Je ne vais pas dire les noms, mais j'ai vu des noms que je n'imaginais pas voir sur ce numéro voter pour Eros. Ouais. Mais quand même, il faut reconnaître qu'on est dans l'optique de la valorisation de la culture togolaise et Eros fait bien le pas, surtout à nous tous. Ouais. Et vous allez reconnaître dans ces phrases, dans ces chansons, le fait d'avoir l'optique de plus mettre en valeur la culture togolaise. Pourquoi pas une voiture togolaise? Voilà. On a déjà la moto togolaise, je pense. Ouais, ouais. Donc, voilà. Moi, je dis merci à ces différentes radios qui ont collaboré avec lui. Ça prouve combien de fois on peut accompagner un artiste ici pour faire de cet artiste une icône nationale. Parce qu'il faut partir déjà de sa maison pour qu'à l'international, on puisse te connaître. Exactement. Une fois encore, bravo à toi, Eros. Allez, Colis, tu as annoncé la sortie de ton album, enfin. Saint-Esprit, parle-nous de cet album. Oui, Saint-Esprit, comme je l'ai dit auparavant, j'avais vécu des moments difficiles. Et le Saint-Esprit est celui-là qui m'a donné la force, le réconfort. Il a été tout pour moi. Lorsque j'ai perdu ma maman en 2011, il n'y avait plus... Donc, j'avais décidé de voyager en Côte d'Ivoire. J'ai fait presque 5 ans en Côte d'Ivoire. Un jour, je travaillais au bureau. J'étais staff d'église. Je travaillais. Et je coulais les larmes parce que Jovati Bedi, Mérimbalo, et Tony la filera, Mavigno la filera. Donc, je voulais quelqu'un qui devait être ma protection. Parce que toutes ces choses-là dans lesquelles j'étais passé, ça me revenait à l'esprit. Donc, il fallait avoir quelqu'un, un soutien. Et lorsque je balayais, je nettoyais plutôt le bureau, la voix est venue dans mon esprit. Je suis ton consolateur. Je suis ta force. Vous savez, je suis un chanteur. Donc, lorsque la voix est venue, je savais juste que c'est une chanson. J'ai commencé par fredonner en même temps. Et c'est en cela que la chanson même phare de l'album était venu le jour là. Et c'était une chanson même qui a touché beaucoup de personnes en Afrique et aussi dans d'autres pays. Donc Saint-Esprit est devenu aujourd'hui le titre de mon album, parce que cette chanson là, c'est avec ça que j'ai débuté. Voilà. C'était mon premier titre. Une date d'ailleurs pour la sortie de cet album. Oui. Déjà, c'est le 5 novembre. Le 5 novembre. Save the date. Retenez bien la date. C'est le 5 novembre. Voilà. Oui. Tu vas revenir ici nous présenter l'album. Ah oui. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que c'est un album qu'on doit prescrire à tout le monde pour que nous puissions. On doit prescrire vraiment. C'est vraiment dit. Pour que tout le monde puisse accompagner l'artiste. Une soirée dédicace. Une soirée VIP dédicace de mon premier album, Saint-Esprit. Ça sera ce 5 novembre à 18h. Non, ce n'est pas cette affiche, pardon. C'est l'autre. Oui. Ce serait le 5. C'est le 5 novembre à 18h à Mente Hôtel. Hôtel. Oui, sur invitation. Réservation aussi. Voilà. À 10 000 francs. Les numéros, c'est 93. Oui. 93 98 66. Pour la soirée dédicace. Pour la soirée dédicace. Voilà, et on doit vraiment appeler ce numéro. Je dois en tout cas compter sur vous, les fans de Colis Newman, les fans de cette émission, d'effectuer massivement les déplacements pour que nous puissions soutenir cette belle voix de la musique gospel togolaise. Et bien voilà, le Bénin t'accueille le 31 octobre. Oui. Voilà, parle-nous de cette soirée. Waouh, salon d'adoration. Vraiment, c'est une soirée que je suis toujours sur Internet. Otniel, c'est lui qui organise cette soirée-là. Et le Seigneur impacte
beaucoup de vie. Ouais. Donc, cette fois-ci, c'est l'acte 6. Oui. Et comme vous le voyez sur l'affiche, il y a Ibike. Mm-hmm. Ibike, c'est la grande star du Nigeria. Oui. Elle sera là. Et encore plusieurs artistes du Bénin oui. qui seront là. Voilà. Donc, vous êtes au Bénin? Oui, oui, au Bénin, à Cotonou, à Fridjose. Bénin. Au Bénin, oui. Voilà. Ça fait du bien, hein, Collins. En tout cas, bravo. Et on te souhaite une très bonne chance dans ta carrière. Merci beaucoup, Kevin. Et surtout des ondes positives et également beaucoup d'inspiration. Merci. Mais quand même, Collins, je ne sais pas, mais comment tu arrives à être jeune et à faire du gospel? Parce que vous savez. Non, on ça, a une... je suis pas d'accord. Non. Parce que la mentalité en soi ici, c'est. Regarde son look. Il a un look à lui. Mm-hmm. C'est pas si tu remarques. Il a un look à lui. C'est notre KS Bloom. Oui, mais du coup, je veux savoir comment lui, il affronte cette mentalité d'ici. Oui. En étant comme ça. En étant comme ça, que je vais te demander. Des préjugés. Quand tu parles les dînes déchirés, est-ce qu'on ne te critique pas? Voilà, en fait, c'est la question. Est-ce qu'en soi. En fait, les critiques, c'est pour me bâtir. Voilà. Et puis, les critiques. Regarde ton oui. Les cheveux. Oui. Vous savez. En fait, tu devais même tout raser. Oui, en fait, moi, le constat que j'ai fait, que quoi. Peut-être. Bon, en voyant, de par son look et tout, ça veut dire que Collins lui-même à la base, il aime look, cheveux, truc là. Mais il ne peut pas se priver de ça juste pour dire je suis gospel et puis avoir ça dans la tête, c'est ce qui lui plaît. Mais il ne doit pas le faire ça, parce qu'il est gospel. C'est de l'hypocrisie, en fait. C'est une manière d'évangéliser. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Merci pour l'esprit. Voilà. Et je pense qu'en tout cas, on peut comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui ont le cœur blanc, ce sont des rastamans. Voilà. Et même, il faut dire tout simplement qu'au fait, c'est l'intérieur, ce n'est pas. J'étais même allé. Pas les rastamans. Au ghetto, j'ai fait le ghetto tour récemment. Oui. T'es allé au ghetto à Ebé. Il y a un jeune qui m'a vu, il a dit, si toi, tu as les cheveux comme ça, tressés, puis tu as le Saint-Esprit, c'est que tu es un homme bien. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour nous faire voir, mais c'est pour un objectif bien précis. Exactement. Voilà. Bien, voilà, Collins, nous arrivons déjà à la fin de cette belle émission. Face à la caméra, ce sera également ton mot de fin, un message à tes fans et un message à ces personnes également qui te découvrent pour la première fois dans cette émission. Tout est calé. Waouh, tout est calé, tout est calé. Je suis calé. Vraiment, Kevin, merci beaucoup. Je remercie mes grands frères qui sont là. Merci beaucoup à la TVT parce que vraiment, vous faites un bon boulot. Vous nous aidez, les artistes, à showing our talent. Voilà. Yeah. Showing our talent. So, merci beaucoup. Merci beaucoup à la TVT. Merci beaucoup à la régie, aux techniciens. Merci beaucoup. Je vous apprécie. Et merci aux fans de cette émission. Voilà. On va juste jouer en exclusivité un extrait de Saint-Esprit. Qui va sortir le 30 octobre. Le 30 octobre. Oui. Dans cette émission, nous, on est chanceux de regarder. Et vous aussi à la maison, vous allez juste observer et régalez-vous avec ces belles images de Collins Newman et ses Saint-Esprit. Regardez. Avec toi, tout est possible. Saint-Esprit. Avec toi, tout est possible. Saint-Esprit. Ça peut tomber à tout moment. Et vous, à la maison, vous avez découvert ce que c'est. Et dans nos prochaines émissions, nous allons, en tout cas, vous permettre de regarder l'exclusivité en totalité dans cette émission. Eros, face à la caméra, une fois encore, tu vas remercier tes fans, tous ceux-là qui ont permis que tu sois sur ce plateau pour repartir avec ce trophée FF majeur. Merci beaucoup. Et je ne fais que remercier. Et pour nous, les artistes, nous devons seulement remercier nos fans. Parce que c'est eux qui font beaucoup de travail. Oui. Et aucun artiste ne peut pas être meilleur ou star sans les fans. Oui. Donc nous remercions beaucoup les fans pour ce qu'ils ont fait. Je vais les rappeler, ou bien je vous rappelle que c'est notre premier pas. Oui. On voudrait aller plus loin que ça. Voilà. Merci et vous passez une bonne soirée. Merci. Saxo, ton mot de fin, nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup. On dit merci à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à M. Amouzou et à M. Je pense que c'est Wilson. M. Wilson. Passez un très bon week-end. Voilà. C'est tout à calé. Tu as quelque chose à ajouter? Oui. Je dois remercier la Newman Nation. Voilà. La Newman Nation et Martial Evra
Agbodan. Martial Evra Agbodan, que nous saluons chaleureusement dans cette émission. Dans ce Barbu Blanc. Ouais. Le grand collaborateur de cette émission désormais. Barbu Blanc. Barbu. Nous pouvons avoir également ces artistes, ces crèmes de la crème de la musique gospel togolaise. Merci à toi, Martial Evra, pour ce gros travail que tu effectues également en collaboration avec cette équipe. Jason, nous arrivons déjà à la fin de cette belle émission. Eh bien, justement, vous le savez, c'est calé ou c'est pas calé. C'est calé. Ouais. C'est déjà le week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Et sachez que nous avons le 5 octobre l'album qui va sortir de Collins, Mafao, parce que l'Éternel a l'œuvre. Et sachez aussi que voilà, le 30 octobre, il y a le Saint-Esprit qui sera chez nous. Hein. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Et surtout, un message à tous les jeunes en circulation. Les amis, doucement, on ne va nulle part. Les gars, et vous roulez comme si... Calmez-vous les gars, doucement s'il vous plaît. Hein? Doucement, pardon, merci. C'est le week-end, prenez soin de vous. Bye bye. Et bien voilà, nous remercions l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette belle émission. Melkaku Kouadan est à la réalisation. Et on va se séparer avec une prestation de Michael Benjamin. Mika ou chante ou pati, quittez-moi. Nous kembe ou pati, quittez-nous. Merci Mika Ben. Fier de ou, fier de musique ou, rest in peace les jeunes, nous pas jamais oublier ou. On regarde tout juste la vidéo pour vous souhaiter un super week-end. C'est tout calé. Créole. Dans le but de promouvoir une meilleure santé publique,